Journal. Il y a un peu plus d'un mois, donc fin février, la polyclinique de Gentilly fermait définitivement ses urgences face à la problématique de recrutement des soignants. Mais aujourd'hui, l'hôpital privé Nancy-Lorraine, ex-polyclinique, donc ouvre un centre de soins immédiats sur le site même de Gentilly. Alors, quelle est la différence avec un service d'urgence? Qui fait-on précisément? Voyez les explications de Grégory Boileau et Kamel Kalfouni. Une prise en charge rapide par une équipe médicale et sans rendez-vous. Voici ce que propose ce centre de premiers soins, implanté au cœur de l'hôpital privé Nancy-Lorraine. Les personnels découvrent depuis ce matin ce nouvel espace de 520 mètres carrés. On a vraiment l'ambition de répondre aux demandes de la métropole et en déchargeant le service des urgences, en faisant des entrées chez nous et d'améliorer la prise en charge et la rapidité de prise en charge. Le centre est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Les médecins reçoivent les patients sur place pour un premier diagnostic, avant de les orienter vers des spécialistes et les services adaptés. On n'accueille pas d'urgence vitale. Ça reste le cœur de métier des centres d'urgence. Donc nous, c'est essentiellement répondre à des patients valides, stables, par rapport à des besoins d'examen complémentaire et par rapport à des besoins d'imagerie ou de bilan de biologie ou des avis de spécialistes. Les urgences de l'hôpital privé Nancy-Lorraine ont définitivement fermé leurs portes le 28 février dernier. Ce service de premiers soins a donc été créé dans la foulée pour répondre aux besoins de prise en charge des patients. C'est tout l'enjeu en fait, c'est d'être en mesure de pouvoir offrir une offre de soins non programmée sur le territoire, donc le territoire du Grand Nancy, avec la capacité à pouvoir prendre en charge immédiatement sur la journée des patients qui ne relèvent pas de l'urgence vitale et qui sont en mesure d'être pris en charge dans un établissement comme le nôtre. Une prise en charge optimale et complète, réservée aux patients âgés de plus de 15 ans.